Très bien, bienvenue dans Garten of Banban 2. Il est temps de passer à la mission. On dirait que ce sont les règles, mais bon, c'est toujours le moment pour les enfreindre. Heureusement, il n'y a pas encore de monstres. Alors, bon, qu'est-ce que... Oh, qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, mais j'ai essayé de te faire peur, mais j'ai échoué. Je vais recommencer, ça, d'accord? C'est des monstres. Oh, player, courez si vite que le vent, même plus vite. Oh là, là, par là. Oh, adieu, Armstrong, protège-moi, s'il te plaît. Oh, oh non, je suppose que c'est pas la bonne façon de sortir. Ah bah, attendez. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un bébé au pila. Oui, c'est trop mignon. Papa. Non, non, je suis pas ton papa. Bon, allez. Oh non. Oh, ramène-le. Papa, sauve-moi. Petit vilain. Tu ne m'échapperas pas, tu le sais. Bien sûr que j'y arriverai. Tu es ma victime maintenant, mais oh, comment oses-tu? Tiens, prends ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça y est, jeté mon bébé. Papa? Tu te sens bien, ça va? Oui, ça va. Très bien, alors maintenant, c'est l'heure de la revanche. Oui, papa. Rendez-moi mon petit oiseau. Ah, tu veux l'oiseau? Alors, viens voir. Regarde. J'ai un plan, papa. Utilise-moi comme une arme. Ah, vraiment, très bien. Allez, c'est le moment. Alors, donnez-moi l'oiseau maintenant. Et voici l'heure du spectacle. Ça. Et voilà le plan, maintenant. Oui. J'active le plan. Et prends ça. C'est tout bon, papa. Mais c'était ça? Eh bien, je crois que oui. C'est le moment de sortir de là. Allons-y, papa. C'est parti. Appelle la police. Vite, papa. Oh, mais c'est le plan le plus bizarre et le plus intelligent que j'ai jamais vu. Je crois que oui. Bravo. On l'a eu. Alors, qui sera le prochain monstre? Personne ne peut nous arrêter. Qu'est-ce que c'est que ça? Du soleil bien fraîche. C'est quoi cette petite chose toute bleue? Oh, c'est jaune, c'est tout doux. Mon œil. Il m'a payé pour ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est dégoûtant. Non, j'ai pas ri. Je suis vraiment énervée. Papa, ne rigole pas. Mais ne ris pas. Oh, c'est trop mignon. Allez, viens ici, mon petit. J'ai un plan. Regarde, c'est juste un escargot. Et devine quoi? Ils sont vraiment très, très lents. Tu peux le défier à la course et tu gagneras. Qu'en dis-tu? Allez, faisons-le. Oui, allons-y. Ok, gros escargot, je te challenge pour une course. Qu'est-ce que t'en dis? Une course? Parce que tu penses que tu peux me défier? Elle va mourir. Eh bien, faisons-le. Allez, voyons si tu peux le faire. Je suis petite, alors je suis plus rapide. Oui, je vole. Mais enfin, tu pourras pas me battre, tu sais bien. Je suis le plus fort. Allez, réveillez-vous. Tu l'as presque. Allez, allez, vas-y. Allez, vas-y. Pas gagner. J'ai gagné. Ne t'inquiète pas, mon bébé, ça arrive. Allez, courons maintenant. Je vais prendre ma revanche, je le jure. Ouais, c'est gentil, mais... Ah, mais qu'est-ce que c'est? Mais fais attention, ils peuvent te voir, allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce sont mes frères, papa. Et ils ont la clé pour ouvrir la porte. Tu dois les mettre ici, tu vois? Ah, bah, c'est des bons petits gars. Bon, écoute, je peux faire ça. Hein? On va les mettre ici, comme ça. Bah, attends, je crois que c'est le dernier. Oh, non, courons. Allez, courons. C'est trop excitant.
Ah, oh, il est si gentil. J'ai l'impression qu'on est de la même famille. Est-ce que tu veux être mon petit frère? Oui, d'accord. Oh, c'est trop mignon, on est une famille maintenant. Ouais, d'accord. Allez, il est temps de partir. Allons-y. Oh non, je suis vraiment désolée. Oh, j'étais blessée. Oh, oh mais comment on va faire? Ah oh, ben, il s'est rien passé. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Partons. Ça suffit, il nous a arnaqués. Nous devons nous révolter. Débarrassons-nous de lui, vous êtes d'accord? Allez, allez. Ouais, t'as raison, allez, on y va. Ouais, allez, maintenant on commence. C'est toi le chef de la mission, d'accord? Révolution! Tu penses que t'es prêt? T'as tout compris? Je crois que mes frères ont un plan bizarre. Mais bon, c'est pas important. Le seul qui compte, c'est mon papa. Il est génial, je l'aime fort. Ah ben je crois qu'on les a tous réunis les bébés, mais... Non, ah ben non, il en reste un. Oui. Vas-y. Papa, j'y vais, ne t'inquiète pas. Hé hey. Hein? Tu oui, veux venir ouais. avec moi? Oui. Ah ben viens non, finalement moi, papa, s'il te plaît. Ouais, mais j'ai pas envie finalement. Oh, tu refuses d'être avec papa alors? Et... Oui, ben c'est ça. Aïe. Mais où es-tu? Je voulais t'envoyer un message, mais ça marche pas. Où es-tu? Ah, il résiste. Quoi? Mais je vais l'attraper avec ma boule. Oui. Non, mais reprends-lui. Prends ça. Maintenant, c'est le moment de mon Pokéball. Prends ça. Ah, je dois le montrer à papa. Ah, mais c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Oh. Prends ça et encore ça. Cours. Tu n'es pas prêt pour ça. Tu sais quoi? Tu es le seul bébé au pila qui n'est pas rose et violet. C'est bizarre pour juste moi. Juste fais-le. Maintenant, tu es prêt. Et mon dernier, le plus important mouvement. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Qu'est-ce que tu as dit? Ton papa est un fou. Comment as-tu le courage de dire ça? Maintenant, je vais te supprimer. Toi et ton faux papa. Comment peux-tu dire quelque chose comme ça? Il n'a jamais été comme toi. Tu vas devoir le respecter. Je ne te comprends pas. Il ne te ressemble même pas. Voyons, ce n'est pas ton papa. Allez, mon petit, tu peux le faire. Vas-y. Je suis un ninja. Je peux le faire. C'est trop bon, les sucettes. Nous deux, c'est un piège. Mais enfin, c'est un piège. Mais ils n'ont rien compris. Regarde. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Oh là là. Ah, il va tous nous tuer. Nous devons nous échapper. Allez, maintenant, quelle est la suite du plan? J'ai oublié. Et vous, vous avez rappelé du plan ou pas? Oh. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on n'a qu'à mettre en place le plan B. Ouais, le plan B combattant. Oh mon Dieu! Aïe! Mais pourquoi vous me faites mal? Toujours la révolution, les gars! Révolution! Allez, révolution! Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh là, il a l'air possédé, lui. Quoi? Encore un? Mais enfin, il faut un spectacle. Ça n'a pas d'importance si mon papa est jaune. Il a toujours été une bonne personne avec moi. Alors lâche-le. Il pensait qu'il pouvait gagner. Mais la force de mon papa est plus forte. Allez, prends une douche. À quoi ça ressemble, hein? Tu travailles. Je suis planifiée, pourquoi? A pas compris la question. Ça
fait combien, 1 plus 1 3 ? Non, pourquoi tu veux te battre avec mon papa ? Ah, mais enfin ! Pourquoi tu penses que c'est ton papa ? C'est pas notre papa, enfin ! T'es bête ou quoi ? Tais-toi ! Pourrais-je avoir un biscuit, s'il te plaît ? Dis-moi qui sont tes amis ! Non, toujours Allez, pas. Tu peux le faire ! Oula, mais ça devient violent ! Oulala ! J'ai une ciblière ! Viens ici, on va t'attraper, on va te faire du mal ! Oh, mais d'accord, mais c'est ce que vous voulez ! Prenez ça ! Voyons ! Écoutez, mes frères, résistez à leur piège, s'il vous plaît, hein ! Allez, de l'avant ! Je ne peux pas contrôler mon corps bouge tout seul ! Oh, des caramels ! J'adore les caramels ! Mais enfin, ne tombe pas dans ce piège ! Ce sont des boîtes ! Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont faibles ! Tout ça pour un caramel ! Oh, mais quoi encore ? Oh. Ah, je suppose que tu n'avais pas prévu ça dans ton plan, hein ? Hein ? Ben voilà. Ah non, je dois courir ! Oh. Hein ? Ah bébé, cours, 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 cours ! Oh, coucou papa, regarde, j'ai trouvé ça. Eh ok, ouvre la porte, allez, maintenant, Ah oui, vas-y. Oui, c'est bon, je vais le faire. Oh, tu... Ah, je peux le faire. Verrouille. Oh non. T'as été trop fort. Est-ce que vous êtes prêts? C'est le moment de commencer notre cours. Parce que aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses et faire de la magie. Mais commençons par les maths. Toi, est-ce que tu peux me dire la bonne réponse? Oui, je peux essayer. Tu peux me le dire en secret? Oh? C'était vraiment drôle. Écris la réponse. Oh! C'est incorrect. Au revoir. Oh, c'est ce que j'appelle tomber avec style. Ok, faisons quelque chose de plus simple. Est-ce que tout le monde connaît la réponse? Voyons voir. Qui va résoudre ça? Toi, joueur, hein? Allez, et si je mets une pizza dans l'équation? Plus vite, allez. Oh, je connais la réponse, papa. Je pense que c'est facile. Ah oui, oui, oui. Oui, merci. Bien. La réponse est incorrecte. Oh, peu importe, c'est pas grave. Oh, maintenant, qui peut me résoudre ça? J'adore les maths, alors. Prenons des... Allez, allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Je sais pas. Allez, vas-y. Je vais échouer. Ils vont rire de moi. J'ai pas envie. Bon, tu as la réponse ou pas? Je sais pas. Ne pleure pas. Regarde, regarde, j'ai un indice. Je crois que je sais la réponse maintenant. La réponse est les doigts. Bien. La réponse est... Correct. Oui. Célébrons-le. Waouh. Ce sont des bons mouvements, maîtresse. Merci. Tiens, c'est pour toi. Bravo. Oh, j'adore ça. Ouais. Qui est le meilleur maintenant? C'est moi. Je suis le meilleur étudiant. Regarde, papa. Regarde. Maintenant, j'ai une étoile. Ouais, tu le mérites. Bravo. Ça me remplit d'émotion. Hein? Oh. Vous étiez mes meilleurs étudiants. Vraiment. Je l'apprécie. Vraiment, c'est pour vous. C'est sérieux? Où est-ce qu'ils sont? Vous étiez si gentils. Les enfants, venez ici. On doit parler. Maintenant. Quoi? Je crois qu'il faut y aller. Bon, allez, on y va vite. Oh, alors vous partez. Oh. Étoile. Non. Oh mince.
tranquillement. Oh, génial, elle est là. Voilà, allez, vas-y. Tu ne vas pas jouer avec eux. Ça suffit. Maîtresse, vous m'avez sauvée. Bien sûr, je serai toujours là pour toi. Et on a besoin d'aide. Allez. Je peux le faire. Tu vas m'aider? Merci. Prends ça. Ouf. Venez ici. On arrive. Oh, j'ai peur. C'est leur destin, je dois l'accepter. Merci, maîtresse. Oh, merci, maîtresse, t'es la meilleure. La meilleure. Oh, merci. Vous n'avez aucune idée de combien je vous apprécie. Vous méritez. On vous aime aussi. Oh. Au revoir. Oh, merci. Mon cœur serait toujours dans mon cœur. Oh, je vous aime. Allons-y. Au revoir, les enfants. Au revoir, maîtresse. Oh. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Mon étoile. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Je ne peux pas vivre dans le passé, mais... ils étaient mon monde. Tous ces moments, je m'en rappellerai toujours. C'est le moment de dire au revoir. C'est le moment de tourner la page. Mais je ne peux pas, je ne peux pas le faire. S'il te plaît, non. L'étoile. Non, s'il te plaît, non, laissez-moi partir, non. Continue de courir, je te prête. Laisse-moi t'expliquer, c'est pas ma faute. Cette fois, c'est le dernier chapitre de ta vie. À quelqu'un, à l'aide. C'était pas là hier, oh. Ouh, tu t'en tireras pas comme ça, ignoble créature. Oh, tu m'as payé pour tout le mal que tu m'as fait. Je te mangerai. Je n'ai pas bon goût, tu sais. Voilà, monstre malfaisant, je ne te laisserai pas toucher un cheveu de sa tête. Ah, vraiment, avec une balle. Ah ouais, tiens, prends ça. Oh, joli tir. Maintenant, viens, nous devons nous cacher. Je suis ailleurs. Viens, comme ça, on sera en sécurité. C'est bon, c'est fermé. Mais as-tu la moindre idée de la raison pour laquelle il est si en colère contre toi? Eh bien, je suppose que je devrais savoir de quoi il s'agit. Dans le passé, il y avait un garçon qui était malmené par les camarades de classe, les moins empathiques du monde. Lorsqu'ils essayaient de se cacher d'eux, ils les retrouvaient toujours. Même le professeur ne comprenait pas ce qui se passait. Il a toujours pensé que Player perdait son temps, mais ce n'était pas la vraie partie de l'histoire. Pauvre joueur, il n'a pas eu de chance. À chaque pas qu'il faisait, il commettait par erreur une action qui faisait de lui le maladroit à l'origine des situations. Les brutes, elles, cachées, se moquaient de lui. Et la torture était sans fin pour Player. Il n'en pouvait plus. Il n'y avait pas un seul moment où le joueur ne pouvait pas être en paix. Mais quand il essayait de se contrôler, il continuait à avoir des malaises et des maux de tête. Son existence devenait lassante, jusqu'à ce que la goutte d'eau fasse déborder le vase. Il a crié, il hurlait, il était super énervé, en colère. Mais quand le professeur a attiré son attention, il a mis Player dans la position du personnage maléfique. Player n'avait pas à s'expliquer à ce sujet. Pourtant, le professeur ne voulait pas comprendre ou écouter. Il pensait tout simplement que les enfants étaient des anges. Mais ce n'était pas vrai. Pour lui, personne d'autre que Player n'était la seule personne à blâmer. Le professeur lui a donné un avis à faire signer par ses parents. Bien sûr, les autres ont ri. Il ne pouvait rien faire. Juste tenter d'expliquer à ses parents. Mais il ne pouvait même pas parler à sa mère.
Elle criait, elle était en colère, toujours aussi fort. À propos de cet œuf, la punition qu'elle lui a donnée, elle a cassé l'œuf. C'était une situation tragique pour lui. La seule chose qui lui permettait d'avoir la joie dans ce monde était morte. Brisée. C'était le jour le plus triste de sa vie. Et tout à coup, un petit serpent est sorti de la poubelle. Lorsqu'il s'est approché de Player, ce dernier a été surpris. Le petit serpent s'est souvenu que Player s'était occupé de lui lorsqu'il n'était qu'un œuf. Ils étaient tous les deux très heureux. Cette situation lui a permis de se sentir heureux comme jamais. L'arc-en-ciel était enfin sorti et toute l'image s'était transformée en un moment de bonheur. Leur journée était pure joie. Mais il s'est avéré que le petit serpent a commencé à grandir et sa force aussi. Player devait devenir plus fort qu'avant pour pouvoir jouer avec ce petit serpent. Car celui-ci grandissait. Et il est devenu un très très gros serpent. Il devait continuer courageusement d'aller à l'école, mais les choses n'avaient pas changé du tout. Les brutes étaient toujours là, et lui, Player, il devait encore subir toutes ces souffrances. Mais les choses avaient changé. Le grand serpent était là pour le défendre. Les brutes ont vraiment eu peur quand elles ont vu ce gros serpent. Cette fois, elles ne s'en sortiraient pas. Il leur a donné ce qu'ils méritaient, et de plus. Et de plus, et de plus. Oh, je pense que oui. Ils en avaient vraiment besoin, car ils ont été méchants. Ils étaient réduits en purée après ce combat. C'est le moment où je suis apparu dans l'histoire. J'étais spectateur. Mais les brutes n'abandonnaient pas. Elles continuaient à lui faire du mal. Mais cette fois, le serpent les observait de très très près. Dès qu'une brute s'apprêtait à lui faire quelque chose, le serpent était là. Et du coup, ils étaient un peu confus. Il a bien fait son travail. Le professeur n'a pas voulu faire l'effort de lire tous les travaux des élèves lors des examens. Ils ont tout simplement été tous recalés. Lorsque le joueur a terminé son examen, lui, il était très confiant qu'il le réussirait. Mais le professeur, avec ses préjugés intacts, a décidé de ne même pas le lire et l'a recalé. Et devinez quoi ? Quand il a essayé de le faire, le professeur a vu le super gros serpent qui était vraiment très ennuyé par la situation. Alors, il a fait son travail sans rechigner. Notre cher joueur se sentait vraiment bien avec cette nouvelle note. Il a remercié le professeur. Mais le serpent n'était toujours pas content de sa vengeance. Et il en voulait plus. Alors, le professeur a jeté des objets sur la brute. Tout ce qui lui restait pour compléter sa vengeance. J'étais alors très curieux de cette amitié. Alors j'ai commencé à me cacher dans des endroits stratégiques pour tout observer de près. Et les choses ont commencé à changer. Les notes étaient meilleures que jamais. Sa mère était très heureuse. C'était la meilleure chose que Player pouvait lui donner. Tout cela arrivait grâce au travail du serpent. Il était très heureux aussi, mais il a été capturé. Player se sentait si heureux que son corps et son cœur le savaient. Il voulait tout lui dire et il s'est mis à chercher le serpent. Et il ne l'a jamais trouvé. Il a cherché, encore cherché. Il était très très inquiet. Mais où était-il ? Je savais ce que je faisais. Mais le serpent avait vraiment peur parce qu'il ne comprenait rien. Quand il m'a vu, je me suis présenté. Et j'ai commencé à lui expliquer ce que le plan avait prévu pour lui. L'étape suivante nécessitait quelque chose de plus grand. Mais le serpent ne voulait pas le faire. Et je n'ai malheureusement pas pu le laisser choisir. J'ai commencé mon projet diabolique. Mais le processus a été interrompu et des ailes ont apparu. Je n'avais jamais vu quelque chose de comme ça devant mes yeux. J'ai pensé que quelque chose avait mal tourné. Mais quand je me suis demandé ce qui avait bien pu se passer, le serpent était devenu vraiment, vraiment très en colère contre moi. J'ai donc eu
une unique chose à faire. M'enfuir en courant. Je n'avais plus aucun échappatoire. Il était devant moi très en colère parce que je l'avais éloigné de son ami. J'étais perdu jusqu'à ce que tu arrives. Eh bien voilà toute l'histoire. Je suis vraiment en colère contre toi, Bambam. Tu as caché une belle amitié. Non, il nous a trouvés. Pourquoi j'échoue toujours? Il y a beaucoup de gâteaux dans notre frigo. Plieur! Je t'ai retrouvé enfin! Tu es là pour moi! Je sais pas quoi dire. En parlant de ça, tes ailes sont vraiment intéressantes. Ça donne un super look. Tu dis la vérité? Bien sûr que oui, mon meilleur ami. Bien, mon travail est terminé, voilà. C'est la meilleure fin. Que dois-je faire maintenant? Prends ça, Opila. Oula, je crois que j'ai réveillé la bête. Viens ici, petit garçon. Aidez-moi, l'énorme poulet va me manger. Il s'est laissé distraire. Maintenant, je peux m'échapper. Tu ne te sortiras pas comme ça, viens ici. Je pense que je suis en sécurité. Qu'est-ce qui est? C'est pas possible, je suis perdue. Ouvre la porte et arrête de m'appeler poulet. Papa, je me cache, mais je dois affronter le poulet, le monstre. J'aimerais que tu sois à mes côtés pour me protéger. C'est tout ce que je veux dans ce monde. La ville a beaucoup de bâtiments. Où allons-nous, papa? Non. Bonbon Garden. Mais il paraît qu'il y a des monstres effrayants dedans. Oh non, s'il te plaît, papa, je veux pas aller là-dedans. Ils vont me manger. Mais mon fils, je n'ai pas le choix. Je dois te laisser là parce que je dois aller travailler. Mais je sais que tu seras courageux, n'est-ce pas? D'accord, papa, je te promets d'être fort. D'accord. C'est ça, mon fils. Maintenant, viens. Je suis en retard. Je suis Bonbon. Je suis Bonbon lui-même. Enchanté, monsieur Bonbon. C'est un plaisir. Voici mon fils Player. Tu arrives juste à temps pour le déjeuner. En plus, j'ai faim. J'ai pas vu venir ça. Je me disais que c'était l'heure de manger, pas pour que nous puissions manger ensemble. J'ai pas compris. Il reviendra. oui, ses enfants. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Vous n'allez pas me manger? Il se fait tard, je dois y aller, s'il vous plaît. Prenez soin de lui. Au revoir, allez. Ne vous inquiétez pas, il est en trop de bonnes mains. Je reviens bientôt, Player, je te le promets. Allez, amuse-toi bien, profite. D'accord, papa, salut. Mais tout ira bien, joueur. Pourquoi n'y arrête pas de jouer un petit moment? Allez, continue de marcher, il n'y a pas de quoi. Pourquoi il fait cette tête? Tais-toi et obéis. Et vous croyez que c'est Player dans la dernière vidéo de Armstrong? Pour moi, c'est lui. Ça fait mal. Mais cet endroit a l'air sympa quand même. Tous ces gens. Mais pourquoi lui, il mange ses propres œufs? Le poulet, c'est vraiment bizarre. Ça va trop vite. Allez, je lâche pas, je vais gagner. Oh non, l'aide! Je suis en vie! Oui, tu vas bien? J'ai vraiment eu peur! Mais à quoi tu pensais? Tu m'as tué presque! Mais à quoi tu penses, Cyclope? Je suis désolée, t'as besoin d'aide? Mais qui es-tu, gamin? C'est le gamin qui nous a frappés! Mais c'est pour cette raison qu'on veut pas être amis avec toi! Allez, va-t'en! Génial! Je suis arrivée il y a 5 minutes et j'ai déjà des ennemis. Je suppose que je peux faire la mission d'Opila. Voilà l'œuf. Je vais bien, je n'ai pas besoin d'œuf. S'il te plaît, ne me mange pas. Mais ne t'inquiète pas, nous n'allons pas te manger.
Nous sommes ici pour vous protéger. Je suis Opila et toi? Oui, je suis Player. On s'est rencontrés, Player. Que penses-tu si nous prenons quelque chose à manger et que nous allions nous présenter à d'autres gens? Oh ouais, ce serait cool. Oh, il est temps de jeter un coup d'œil dans les espaces de jeu. Tout est sous contrôle. Oh, mais l'heure du déjeuner approche. Mission maléfique, c'est à mon tour. Je ne vais pas tolérer ce moment, tu sais. Mais qu'est-ce que c'était? Mais tu ne vois pas, c'est un monstre comme nous. Voilà le garçon que tu m'as demandé. Mais fais attention, Cyclope, malveillant. Tu ne crois pas que c'est le bon moment pour devenir mon amuse-gueule? Ah, oh, c'est délicieux. Tu sais quoi? C'est le meilleur repas que j'ai jamais eu depuis... C'est encore ce type bizarre. Nous embête. Mais enfin, pourquoi vous êtes si fâchés contre moi? C'est vraiment délicieux. Oh, je suis satisfait. Oh, mais mon estomac a encore faim. J'ai faim. Oh, ben, je vais manger tous les enfants. Mais bien sûr, les gens sont sûrement... Oui, c'est quoi ça? Oh, c'est l'alarme. Les enfants, s'il vous plaît, y a pas de quoi de s'inquiéter. Calmez-vous. Calmez-vous, vous allez vous faire mal. Mais un type en feu. Mais ils sont fous. Nous devons emmener les enfants à Bambam. Personne ne veut être mon ami. Ne nous laisse pas seuls ici. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Oh non, les enfants, je le savais. Je fais vite, c'est presque fini, Bambam. Le jardin est un prétexte pour attraper les enfants. C'est presque fini. Mais dépêche-toi, enfin. Comment ai-je pensé à créer un monstre aussi lent? Oh, et après tout, bon, je vais pouvoir me régaler. Oh, c'était quoi ce bruit? Ok, oh. Player. Peut-être que si nous sommes très prudents, il ne nous trouvera pas. Viens par là. Allons. Cours. Bambalina cache l'un des players. Nous serons en sécurité ici pour un moment. Essaie de nous cacher. Chut, ne fais pas... Comme tu veux, Bambalina, mais... Et toi? Ne t'inquiète pas. Je dois juste envoyer la vidéo de sécurité à ton père pour qu'il puisse revenir ici pour nous sauver. Maintenant, je dois faire de cette pièce une zone de sécurité. Ces bouts de bois vont nous aider. Allez. Oh, je suis tellement fatiguée. Mais au moins, toutes les portes sont fermées. Il y avait une autre porte. Alors dis-moi la vérité. Il y a des players dans le coin. Mais de quoi tu parles, non? Écoute, c'est la dernière fois que tu me mens. Ça suffit. Pas le contrôle mental, non. S'il te plaît. Ok, tu veux un enfant? Je sais où le trouver. Et je vais te le donner à toi maintenant. Il n'est plus là. On va le trouver. Oh mon Dieu, il s'en est fallu de peu pour que ce soit une tragédie. Allez, c'est bon, ils sont partis. Maintenant, je dois me dire que je suis en sécurité. Allez. Il n'y a pas de monstre ici. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien avoir des aventures, un peu comme avant. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est quoi? C'est les caméras de Bambam Garden. Et mon garçon, non, il ne mentait pas. Ce sont des vrais monstres. Oh non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Désolé, ce sont les ordres. Trop petit. Fais gaffe, tu te moques de moi? Ben prends ça, tu vas voir. Et arrête, tu me chatouilles. Oh là là, tes mains sont douces. Oh, mais c'est mon ami Opila. Opila. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air contente? Je suis là pour te tuer, joueur. Oh, mais c'est méchant. Pour te tuer, joueur. Viens avec moi, on va. Tu me sers, Opila? Où est-il allé? Aidez-moi, s'il vous plaît! Je viens pour toi! Tu n'iras nulle part! Allez, de la grosse poule! Essaye de me traquer! Allez, salut, gros poulet!
peut-être pas. Ah, oh, mais j'arrive pas à le croire. J'ai aucun moyen de m'en sortir. Comment je peux faire? Arrête de m'appeler poulet géant. Oh, papa, comme j'aimerais que tu sois là avec moi. D'accord, tu as gagné, je pars. Ah, elle est partie? Vraiment? Oh, quel soulagement. Bonjour. Oh mon Dieu, mais il y en a une autre derrière la porte. C'est le moment de dire au revoir. Tu viens avec moi. Je vais te tuer avec bon. D'accord, donne-moi mon fils, Player. Où es-tu? Oh, c'est son écriture. Il est triste. Mon fils, où es-tu? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû t'emmener dans cet endroit. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, mais enfin... Si tu veux trouver ton enfant, viens avec moi. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour l'instant. Et je vais la faire. J'étais affamé. Oh, ça a bon goût. Oh. Et toi, tu veux un morceau de ça? Non, j'en veux pas. Ah, d'accord, tu sais pas ce que tu rates. Allez, maintenant, réfléchissons. Il faut que je trouve Player. Où pourrait-il être caché? Player. Bonjour, tu m'entends? Je te parle, mon pote. Fais-moi signe si tu m'entends. Allez. Oh, non, mais pas ce signe-là! Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh, monsieur, vous devez être le père de Player, non? Dépêchez-vous! Venez avec moi, je sais où est votre fils! Oh, mon fils! T'as intérêt à avoir raison! On doit se dépêcher ou Bonbon va nous trouver! Eh bien, où est mon Dieu? Mais je ne peux pas le croire! Tu es là, tu es vivant! Oh, mon fils! Oh, papa! Oui, papa, c'est toi! Oui, mon fils, je suis venu te sauver. Allez, viens voir ton papa. Ah, je n'arrive pas à y croire, tu es venu me sauver. Je ne vais plus te perdre, à nouveau. Désolé d'interrompre ce bon moment familial, mais tu es en train de faire un câlin à mon dîner. Rends-le-moi. Crois-moi, je ne vais pas te laisser faire. Ici, j'ai trouvé une porte. Ça doit être la sortie. Allons-y vite. Ah oui, très bien, d'accord, allons-y, ça a l'air sûr. Allez. Comment est-ce possible? Bambalina m'a encore trahi. Fais attention, il doit y avoir plein de monstres ici. C'était où, petit garçon? Oh, mon papa. Oui, tu ne peux pas t'échapper. Alors, je t'ai manqué. Faisons un marché. Oui, faisons un marché. Ignore-les, papa, ignore-les. Oui, je pense qu'il va considérer ce marché, n'est-ce pas? Oh, le poulet géant! Très bien, papa Player, voilà le marché! Si tu veux que ton fils s'en sorte, tu vas devoir rester ici avec nous et contribuer. Quoi? Non, mais ne leur fais pas confiance! Fils, s'il te plaît, promets-moi d'être courageux. Allez, je reviens. Non, papa, s'il te plaît, ne fais pas ça! Non! On doit y aller, Player. Attends, papa! Papa! Fiston! Allez, Player, c'est la seule solution. À bientôt. Ah, quel moment émouvant! D'accord! Maintenant que tu es là, je dois te faire part de la vérité. À savoir que je n'ai jamais mangé de viande d'adulte. Nous allons donc avoir une nouvelle expérience avec notre menu, n'est-ce pas? Où est mon bouton diabolique? Oui. Tu parles de ça? Tu ne vas plus contrôler nos esprits maintenant. Non, mon bouton. Alors, Ban-Ban, tu parlais de nouvelles expériences, n'est-ce pas? Hein? Oups. Je vais te présenter un de mes amis qui est très, très intéressé avec l'idée de te rencontrer. Regarde, prends ça. Oh, je n'arrive pas à y croire. Mon père, il est là, tout seul, avec ces monstres effrayants. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Merci. Au revoir, les gars. Je dois maintenant faire quelque chose de très important. Papa, tu es vivant. Oh, je suis si content. Tout est fini.